La princesse indienne par Adolphe Bitard. Chapitre 1er. Quoique la Virginie ait été visitée en 1584 par Sir Walter Raleigh, et ainsi baptisée par lui en l'honneur de la reine Élisabeth à la même époque, le premier établissement anglais de cette contrée, appelé jusque-là Hatton of Cambuche, voire dans toute l'Amérique septentrionale, ne date que de 1607. Il fut fondé sur la rive gauche du Powhatan, devenue rivière James, et reçut le nom de Jamestown, c'est-à-dire Jacquesville, en l'honneur de Jacques Ier. Le choix de cet emplacement pour la première colonie anglaise de la Virginie fut entièrement dû au hasard. L'année précédente, deux compagnies d'émigration s'étaient formées, l'une à Londres, l'autre à Plymouth, entre lesquelles le roi Jacques avait partagé, aussi impartialement que possible, quand il s'agit de choses qui ne vous appartiennent pas, les vastes territoires de la Virginie. À la compagnie de Plymouth, les territoires du Nord, à celle de Londres, les territoires du Sud. Nous nous attacherons, et seulement pour peu de temps, au pas de celle-ci, mais un mot d'abord de son organisation générale. Le siège de la Compagnie de Londres était à Londres, naturellement. Il était occupé par un conseil supérieur jugeant en dernier ressort, sous le contrôle royal, toutes les questions intéressant à la colonie, laquelle était en outre pourvue d'un gouvernement et d'un conseil local chargé de débrouiller les affaires courantes et de soumettre au Conseil supérieur les questions graves, nécessitant une prompte solution et plus facile par conséquent à juger de loin. Le 19 décembre 1606, un convoi de 500 émigrants quittait Londres avec son gouverneur et son conseil local, nommés l'un et l'autre par le Conseil supérieur, dans trois navires commandés par le capitaine Newport. La destination de ce convoi était Roanoke, mais Newport se trompa, ou plutôt, un coup de vent le jeta plus au nord, dans la magnifique baie de Chesapeake, et c'est à cette circonstance qu'est due la création de Jamestown sur une presqu'île située à l'entrée de la rivière James, la plus belle de celles qui se jettent dans le golfe. Si les colons avaient eu la faculté de choisir leurs administrateurs, peut-être les choses eussent-elles bien marché dès le début, mais ils avaient apporté avec eux un conseil tout fait, dont les membres, réunis un peu à la hâte, montrèrent bientôt une incompatibilité d'humeur inquiétante pour l'avenir. L'un d'eux, le capitaine John Smith, surnommé le voyageur, plus intelligent, plus actif et probablement plus ambitieux que ses collègues, devint bientôt leur bête noire, et les choses en vinrent à ce point qu'ils l'exclurent du conseil et même de tout emploi, un exil dans l'exil. Newport était retourné en Angleterre, laissant un de ses bâtiments à la colonie. Un beau jour, on surprit le gouverneur, Wingfield, au moment où, là probablement des discordes sans cesse renaissantes qu'il était impuissant à étouffer, il allait lever l'ancre de cet unique bâtiment et prendre le large à la recherche de cieux plus tranquilles. On voit à ces indices comment les colons étaient gouvernés et à quel point ils devaient se sentir assurés, se sachant entourés d'Indiens dont ils avaient envahi le territoire sans cri égard et qui ne pouvaient leur être qu'hostiles en conséquence. Sans doute, en les voyant arriver montés sur d'immenses édifices flottants et munis d'ailes d'une envergure extraordinaire, ces sauvages avaient pu croire qu'ils avaient affaire à des espèces de dieux, et quand ils les avaient vus se servir d'armes à feu et se livrer à toutes sortes d'exercices étranges dont ils se sentaient incapables, ils n'avaient pu que se confirmer dans cette première opinion qui expliquait tout justement parce qu'elle n'expliquait rien. Ne fût-ce que par le spectacle de leur dissension, ces hommes de la nature ne tardèrent pourtant pas à revenir sur cette impression première et à reconnaître que les nouveaux venus n'étaient rien de plus que des hommes supérieurs à eux-mêmes, pris individuellement sans doute. Mais on pouvait les prendre d'autre façon, et c'était à voir. Le fleuve débaptisé sur le bord duquel les colons s'étaient établis devait son nom au roi du pays Powhatan, chef des Chickahominy, qui commandait à 30 tribus. Non content de s'être établi chez lui sans sa permission, les aventuriers anglais, au lieu de chercher à s'assurer les bonnes grâces de son peuple, le volaient encore à l'occasion. Powhatan résolut d'en finir et attaqua la colonie qui, pour comble de misère, touchait à la famine. Les Indiens n'engagèrent toutefois pas une action décisive. Ils harcelaient plutôt les colons, se retirant après un avantage partiel aussi bien qu'à la suite d'un léger désavantage pour revenir à la charge à leur fantaisie. Mais ce système était insupportable aux colons, sans cesse en éveil et ne sachant que faire faute de direction. C'est alors que le capitaine Smith fut rappelé et investi du pouvoir suprême. Smith prouva à ses compagnons que leur confiance n'était pas mal placée.
après avoir augmenté les travaux de défense, il se mit en campagne. Il commença par visiter les tribus les moins hostiles, avec lesquelles il passa les traités et qui lui fournirent des vivres. Il combattit les autres et fut assez heureux pour forcer la plupart à faire la paix. Mais dans un dernier combat, étant tombé dans un marais, il fut surpris par l'ennemi et fait prisonnier. Chapitre 2e. John Smith fut conduit devant Powhatan. Il avait déjà eu le temps de séduire les Indiens qu'il avait fait prisonniers, en leur expliquant, à l'aide d'une boussole qu'il avait sur lui, les mystères de l'aiguille aimantée, brodant sur ce thème des contes quelque peu extravagants. Il ne se faisait guère d'illusions sur son sort, pourtant, mais cet homme paraît avoir été doué de qualités vraiment précieuses pour un colonisateur, qu'on ne le mit que trop tard en situation d'exercer pour l'honneur de la civilisation. En effet, c'était trop tard. Plutôt, il eût pu affermir la colonie en nouant de bonnes relations avec les tribus voisines. Quand on l'avait appelé, la situation était désespérée, et il avait surtout prouvé aux Indiens que, sans lui, ils eussent déjà balayé les Européens de leur territoire. Leur intérêt, bien entendu, était donc de se débarrasser de lui, et Powhatan n'hésita pas à le condamner à mort. La sentence allait être exécutée. Le malheureux Smith, dûment garrotté, avait la tête appuyée sur le billot de pierre, les principaux guerriers l'entouraient, le tomahawk levé, pour lui porter le coup fatal, quand tout à coup, la fille du chef suprême s'élance, couvre de son corps le corps du condamné, la tête posée sur sa tête, que les massues s'apprêtent à écraser. À cette vue, les justiciers s'arrêtent, comme pétrifiés. Les tomahawks levés ne retombent pas. Le condamné est sauvé. On le délie, on le relève, il est sacré maintenant. Powhatan l'emmène dans son wigwam, le traite comme un hôte bienvenu, et au bout de quelques jours, lui rend la liberté sans condition. Pocahontas ou Matoaka, fille de Powhatan, empereur d'Atanokomouch, pouvait avoir alors de 11 à 12 ans. Tout enfant, elle avait assisté à l'arrivée dans son pays de ces hommes extraordinaires. Elle avait eu l'imagination exaltée par les contes extravagants des Chickahominy affolés, sur le conte des Blancs, qui était incontestablement d'une autre essence qu'eux-mêmes. Si elle n'avait pu voir tuer froidement sous ses yeux le chef de ces hommes d'essence supérieure, est-il besoin de chercher une autre raison au sentiment qu'elle a ressenti et à l'action que ce sentiment lui dicta? Nous ne le croyons vraiment pas. C'était d'ailleurs une enfant. Grâce à cet événement, les Européens et les Indiens vécurent en paix pendant 2 années. Mais c'était une paix précaire, fréquemment compromise par les maraudes et les actes de violence isolés des colons qui, à la fin, poussèrent à bout les Indiens exaspérés. La perte des aventuriers fut résolue une fois de plus, et pour l'assurer, on convint de s'emparer d'abord, par trahison, de leur chef, le capitaine Smith. On l'inviterait à venir au village, et cette fois il n'en sortirait pas, vivant du moins. On avait pris toutes les précautions imaginables pour que Pocahontas ne sût rien de ce complot, comme on peut le penser. Elle l'apprit pourtant, s'échappa du village la nuit qui devait précéder le jour fatal, fit plus de 6 kilomètres pour aller avertir Smith et revint aussitôt. Le capitaine était encore une fois sauvé. Mais Pocahontas, en agissant ainsi, et quoiqu'un sujet d'admiration pour des hommes civilisés, habitués de longue main aux capitulations de conscience, n'en était pas moins traître aux siens, qui la prirent en haine. Alors, pour la soustraire à des représailles fatales, son père ne trouva pas de moyen plus sûr que de l'envoyer à la cour du chef des Potomacs, dont les wigwams s'élevaient à une certaine distance vers le nord. Mais l'affection que Pocahontas avait vouée aux Européens ne se refroidit pas pour cela. Et là encore, nous la voyons sauver un jeune Anglais comme elle avait déjà sauvé John Smith. Nous n'avons pas de détails sur cet événement. Nous n'avons rien de plus que cette mention, extraite de l'histoire de la Virginie de Stiles, un des premiers chroniqueurs de l'Amérique. Et Pocahontas sauva un jeune homme nommé Henry Spillman, qui vécut plusieurs années grâce à sa protection parmi les Potomacs. Cette mention nous paraît toutefois suffisante. Quelque temps après, c'était vers 1610 ou 1611, un capitaine anglais, le capitaine Argall, d'odieuse mémoire, qui trafiquait avec les tribus amies, se trouvait chez les Potomacs. Ayant vu la jeune fille et appris que c'était Pocahontas, il se la fit livrer par le chef en échange, dit-on, d'un splendide chaudron de cuivre supérieurement poli et l'amena à Jamestown à titre d'otage. La colonie était toujours en guerre avec Powhatan et c'était pour contraindre celui-ci à faire la paix. Mais Powhatan refusa. Il chercha à se faire rendre sa fille par tout autre moyen. Il offrit jusqu'à 200 bouchelles de blé pour cela, mais il ne voulut pas entendre parler de paix et renonça plutôt à délivrer sa fille,
laquelle, cependant, ne devait pas tarder à obtenir ce résultat. John Smith, qui avait été blessé grièvement par l'explosion d'un paquet de poudre, n'était plus à Jamestown, il était retourné en Angleterre. Le gouverneur de la colonie était alors Sir Thomas Dale. Chapitre 3e. Thomas, dit John Rolfe, d'une vieille famille du Norfolk, quittait l'Angleterre en 1609, se rendant en Virginie. Il n'y avait pas 2 ans qu'il y était établi planteur de tabac, lorsque Pocahontas fut amené à Jamestown par le capitaine Argall, dans les conditions que nous avons dites. Elle y était depuis quelque temps, lorsque, devenu amoureux de la jeune indienne, Thomas Rolfe sollicita du gouverneur l'autorisation d'épouser cette pauvre païenne, « This poor hath no woman », et l'obtint. Pocahontas, ayant également bien accueilli la demande du jeune colon, fut d'abord baptisé sous le nom de Rebecca, puis marié à Thomas Rolfe dans la petite église de bois de Jamestown. Ceci se passait au commencement de 1615. Pocahontas n'avait pas encore 20 ans, car sur un portrait de la jeune princesse, comme on l'appelait, conservé précieusement dans la famille de son mari, en Norfolk, on lit cette mention « Matoaka, alias Rebecca, fille du puissant prince Powhatanie, empereur d'Atonokomouch, autrement dit Virginie, convertie et baptisée dans la foi chrétienne et femme du respectable M. Thomas Rolfe. » Ce portrait n'est point signé, mais il fut gravé par Simon de Sass, artiste hollandais, et fait partie sous cette forme d'une collection publiée de 1616 à 1623. Certains écrivains l'attribuent à Van Dyck, mais nous font mieux de n'y pas mettre d'insistance. Thomas Rolfe épousa-t-il vraiment par amour la fille de Powhatan? Il est permis d'en douter et de croire que cette union célébrée avec le consentement et en présence du chef indien n'eut pas d'autre objet que la conclusion d'une paix durable entre celui-ci et les colons anglais. Cet objet fut atteint en tout cas. Anglais et indiens furent dès lors bons amis, du moins tant que vécut Powhatan. 3 mois après leur mariage, les jeunes époux se rendirent en Angleterre, où ils furent l'objet d'un accueil enthousiaste, dans lequel il y avait évidemment une bonne dose de curiosité. L'Indienne des forêts de la Virginie fut reçue en grande cérémonie par l'évêque de Londres, Nicholas Locker, dans son palais de Lambeth, et présentée au roi Jacques. Elle prit goût très vite, assure-t-on, au plaisir de la cour et de la ville. En tout cas, le portrait dont nous avons parlé témoigne de l'aisance et de la grâce avec laquelle elle avait appris, en si peu de temps, à apporter les modes européennes. Mais le climat brumeux de l'Angleterre, et surtout l'atmosphère chargée de fumée de Londres, ne tardèrent pas à affecter d'une manière très grave la santé de cet enfant de la nature. Son mari décida qu'on retournerait en toute hâte en Amérique. Il fit tous les préparatifs nécessaires, arrêta son passage à bord d'un navire mouillé à Gravesend, et arriva dans ce port avec sa femme et son enfant, car ils avaient eu un enfant, la veille du départ. Mais l'infortunée jeune femme ne devait pas revoir son pays. Le mal avait fait des progrès si rapides qu'il fallut la porter à bord du navire et qu'elle y mourut le soir même. Quelques auteurs rapportent qu'à Londres, Pocahontas avait retrouvé le capitaine Smith, qu'elle croyait mort depuis longtemps, et que l'émotion, le regret d'appartenir à un autre, car elle l'aimait, naturellement, avait causé sa propre mort. Vraiment, le romanesque n'est pas ce qui manque à l'histoire de cette princesse indienne, morte à 20 ans, et il nous est bien permis de laisser de côté cette fable. Cette rencontre, en effet, n'a jamais eu lieu que dans l'imagination des auteurs en question. Il y avait 9 mois que Pocahontas était en Angleterre à l'époque de sa mort. Elle fut enterrée dans l'église de Gravesend, et le registre des décès y porte toujours, à sa date, la mention suivante, écrite avec l'orthographe du XVIIe siècle, « March 21, 1616, Rebecca Rolfe, wife of Thomas Rolfe, gentleman, a Virginia lady born, was buried in the chancel. » Rebecca Rolfe, femme de Thomas Rolfe, gentilhomme, dame d'origine virginienne, a été enterrée dans le sanctuaire. Thomas Rolfe retourna peu après en Virginie, où il devint secrétaire et directeur général des archives de la colonie. Il avait laissé en Angleterre aux soins de son frère Henry, son fils, qui y demeura jusqu'à sa majorité. Ce jeune homme, appelé Thomas comme son père, prit alors le chemin de l'Amérique, où il s'établit, se maria et laissa une fille, mariée ensuite au colonel Bolling. C'est donc à cette famille Bolling qu'appartiennent aujourd'hui les vrais descendants de la princesse indienne, honneur que revendiquent hautement ceux qui y ont droit, et même quelques autres. Ainsi s'achève La princesse indienne par Adolphe Bitard.